Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo à propos du jeu Apex Legends. Ce jeu est apparemment une tuerie, donc moi qu'est-ce que je fais? Je télécharge le jeu, je veux le tester et tout, je lance le jeu, qu'est-ce qui m'arrive? Un code erreur qui est le CE348780. Donc maintenant je vais vous parler de ce putain de code erreur. Je tape ce code erreur sur Google, j'arrive sur le site PlayStation.com qui me dit fermer l'application, installer la dernière version du logiciel système et les mises à jour du jeu, puis redémarrer le système. Donc c'est ce que je fais, tu vois, je vérifie si tout est bien à jour, la mise à jour de la PlayStation, la mise à jour du jeu, tout était à jour. Je redémarre le système, je relance le jeu, toujours rien mon gars, toujours le même code erreur et ça ne fonctionne toujours pas. Alors je regarde la deuxième option. Si vous avez modifié le disque dur HDD de votre système, réinstallez le disque dur d'origine. J'ai pas touché au disque dur, donc cette étape, je peux rien faire contre ça. Troisième solution, si l'erreur se reproduit, faites une copie de vos données sauvegardées, puis sélectionnez l'option réinitialiser la PS4 dans paramètres initialisation. Alors là, je me dis, ah ouais, c'est chaud quand même, tu vois, parce que moi, j'ai je sais pas combien de comptes sur la Play, tu vois, enregistré. Je me souviens pas forcément de tous les mots de passe parce que j'utilise des centaines de mots de passe, donc voilà, je suis un peu perdu. J'ai des clips vidéo aussi que je gardais justement pour faire des tutos, pour vous aider pour débloquer certains personnages ou certaines choses dans Call of Duty. Et là, je me suis dit, putain, est-ce que je vais faire cette réinitialisation? Est-ce que je vais vraiment la faire? Est-ce que je suis assez fou pour faire ça? Pourquoi au final? Parce que j'ai une deuxième play qui a Apex Legends dessus. Et je me suis dit, bah, je peux toujours jouer sur la deuxième play. Parce qu'il faut savoir que ma deuxième play, c'est une PlayStation normale. Tu vois, une bête normale de première génération, je sais pas quoi. Et là, la PlayStation que j'ai, c'est une PlayStation Pro, tu vois. Donc la Pro, normalement, elle devrait faire le taf. Bah là, pas du tout. C'est la Pro qui a un problème et l'autre qui fonctionne parfaitement. Alors déjà, ça, c'est pas très normal. Mais enfin, bref. Moi, je suis tellement fou dans ma tête, à mon avis, je suis pas tout seul, c'est pas possible. Je me dis, ok, c'est bon, c'est quoi? Je vais réinitialiser la console, je vais en faire une vidéo, comme ça, je vais pouvoir aider la communauté, parce que j'ai vu un message aussi d'une personne qui me disait, justement, je peux pas lancer le jeu, donc je me suis dit, bah voilà, ça pourra servir d'un tuto, ça pourra aider des gens et tout ça. Bah, tu sais quoi, je suis tellement fou que je le fais. Voilà, je sauvegarde même pas les clips que j'avais utilisés, je réinitialise tout. Je prends juste les adresses email de tous mes comptes. Après, les comptes des autres personnes qui me l'ont prêté, ben tant pis, je les récupérerai ou je les récupérerai pas, s'ils veulent me le rendre ou pas. Je m'en balais. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire ça, ça ferait une bonne vidéo pour ma chaîne YouTube et ça pourra aider la communauté. Eh ben, tu sais quoi? Je fais la restauration rapide, là. Parce que ça revient en même, je suppose. Je fais la restauration rapide. Ça a pris 5-10 minutes. À l'aise, au calme, je relance la console. Et là, qu'est-ce que je vois? Tout était supprimé. Je me dis, ok, la réinitialisation a bien fonctionné. Normalement, là, je peux télécharger le jeu. Je vais dans le PlayStation Store. Je télécharge le jeu Apex Legends. J'attends que le téléchargement se fasse. Qu'est-ce que je fais? Je relance le jeu. Tu sais quoi, ma man? Ben, j'ai eu le même problème, le même code erreur. Donc, les potos, franchement, ne réinitialisez surtout pas votre PlayStation si vous avez ce problème-là. Alors si par miracle quelqu'un a une solution, n'hésite pas à le mettre en commentaire poto pour que je puisse enfin tester ce jeu et pour dire à la communauté comment on doit faire. Parce que moi là je comprends plus rien, je suis perdu tu vois. Dès que je trouverai une solution bien sûr je vous tiendrai au courant, je referai une autre vidéo pour vous dire comment il faut faire pour que ça fonctionne. Mais là pour tous ceux qui ont une PlayStation 4 Pro, je pense que le problème est uniquement sur PlayStation 4 Pro. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez ce problème sur d'autres consoles. Mais en tous les cas... Chez moi, je peux pas tester ce jeu, tu vois. Et je suis vraiment un peu vénère, là, tu vois. Surtout que j'ai tout perdu, pourquoi? Pour que dalle. Enfin, d'un côté, c'est bien, c'est un message de prévention pour vous. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un putain de like. Parce que je pense que je le mérite, là. Franchement, je pense vraiment que je le mérite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulo Mike. Et ciao. Peace. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.